Michel-Ange. Père, Nini to salité. Mais Nini to salité. Akala si peto tangi aya. Je ne peux pas peto sali aya. Balia ya fami peto kati aya. Il faut qu'on lutte si to lutte aya. Nini to salite. Bon, il y a un peu de salinion sur tout. Parce que nini to salite, et l'autre to salite déjà, il y a un applaudir mi yipi. Nini to sali angoti. Il faut arrêter d'applaudir les voleurs. Il faut arrêter. Ce ne sont pas des riches, ces gens-là ne sont pas des riches. Pour un riche ne se réveille pas du jour au lendemain, la beauté. Quelqu'un qui a puisé dans la caisse à l'État, a richté. A mbongo, mais a richté. C'est un voleur qui a l'argent. Et là, on a fait aussi, il y a très bien. Ce sont des gens même qui sont pauvres en esprit, en réalité. Et ces gens-là ne méritent aucun respect. Parce que quand on vous met dans une situation de pauvreté récurrente, permanente, vous n'allez pas applaudir des gens qui vous appauvrissent. Vous n'allez pas applaudir des gens pendant qu'il y a bango, parce que autant qu'il y a poto dans l'école à bien. Voilà et l'on a une totalité. Cessez d'applaudir les volumontes. Nanto sali à moti. Cessez de suivre des gens parce que vous allez au coronabiso, parce que la province nabiso, au lieu de la bango, en fonction de la défense, de la valeur. Ouan an tosali en moti. Donc, il y a ma cambouébé dans tout ça. Or, ma cambouébé, il y a un peu ma cambouéza très important. Parce que le jour où nous arrivons à transformer l'homme congolais, à intérêt, il y a battu surtout les bossos, vous allez voir que beaucoup de choses vont marcher. C'est bien de crier à l'Occident, à le Rwanda, à ceci. Mais la vraie question, il reste quand même des miettes qui restent dans la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Ça, c'est une bonne question que nous pouvons nous poser. Michel-Ange.